J'ai entrepris de faire de notre tradition, de faire de nos valeurs traditionnelles, de faire de notre culture une valeur, un patrimoine touristique à vendre, à commercialiser, de sorte que les étrangers, les touristes puissent venir massivement dans notre pays, découvrir nos valeurs anciennes que nous allons réhabiliter. Dans cette dynamique, j'ai cité le chemin le plus courant qu'empruntaient les esclaves. Le chemin le plus courant qui était connu dans l'esclavage à travers les deux royaumes d'Abomey et de Porto Novo pour annoncer que j'allais réhabiliter Ouidah, comme c'était dans l'ancien temps, que j'allais réhabiliter le palais d'Abomey, le palais de Porto Novo, parce que tout cela rentrait dans un circuit connu des esclaves vers Ouidah, vers donc la mer, vers l'Amérique. Faire donc de l'esclavage un patrimoine historique, mémoriel, à commercialiser touristiquement, revient donc à remettre en selle dans le programme touristique Ouidah, Abomey, Porto Novo, avec tout leur passé. Je n'ai pas cité explicitement le royaume, le palais de Niki, dans le programme massif d'investissement dans ce cadre. Mais je dois vous annoncer, chère Majesté, que le royaume de Niki, à travers son histoire, à travers le palais, à travers vous qui l'incarnez aujourd'hui, constitue également un patrimoine que nous voudrions révéler, promouvoir, à travers lequel nous allons faire également des investissements pour compléter l'offre touristique à notre gloire. Je remercie le chef de l'État de l'avoir accepté cet après-midi. Il prie pour le chef de l'État pour que son mandat soit couronné de succès. Et comme tout à l'heure, il avait dit que la chefferie traditionnelle soit prise en compte dans le programme du chef de l'État pour l'avenir. Merci. Bon, Son Excellence, le président Patrice Talon, vient de prouver une fois encore qu'il est le président de tous les Béninois. Il vient de confirmer qu'il respecte la chefferie traditionnelle. Il vient de mettre le principe de l'unité nationale en valeur. Le président de la République vient de renouveler son engagement qui consiste à valoriser notre culture, notre tradition, comme le Nigeria, comme le Ghana. Il a pris l'engagement devant l'empereur de Niki. L'arrivée de Sa Majesté, l'empereur de Niki, est une opportunité. Et le président de la République, après la brillante intervention du professeur Léon Dubou, et en présence du ministre des Cultes, a dit la doléance de la Cour royale devient le Piaget. Ça, il fait Patrice Talon visionnaire qui a une auto-réaction qui s'est anticipée. Et c'est le lieu de remercier vraiment le chef de l'État qui a pris en compte ses préoccupations. C'est l'occasion a été donnée au roi de féliciter non seulement le président de la République, de l'encourager dans ce qu'il fait, et d'affirmer le soutien total de son royaume et de tous les autres rois qui sont sous sa juridiction, qui supportent le président de la République dans son programme. Ce fut également l'occasion, en tant que pour le président de la République, de réaffirmer ses convictions, qui est qu'un peuple ne peut se développer en dehors de sa culture. Et il a profité pour expliquer le rôle que l'esclavage a eu dans notre pays et comment il veut intégrer
cette donne-là, dans un circuit touristique qui prend Porto-Novo, Abomey, Guida en compte. Maintenant, avec cette visite, il a ajouté que de faire en sorte que Niki soit inclus dans ce circuit touristique créateur de richesses qui est dans le programme du président de la République. Il a même insisté pour que dans les prochains jours, en ma qualité de ministre du culte et de ministre du tourisme, de nous rendre à Niki pour commencer déjà à recueillir des premières grandes idées qui permettraient d'inclure toute cette zone dans le circuit touristique que le gouvernement avait créé. En conclusion, on ne peut que saluer cette audience qui a permis de faire partir toutes les mauvaises imaginations, tous les nuages, toutes les supputations qui se développent dans le pays. Les choses sont claires, bien établies. Maintenant, ce qui est important, c'est le développement de notre pays. Et le président et le roi de Niki se sont engagés à se tenir la main. Je vous remercie.